Ah, mais c'est qu'ils ont cassé leur jeu là avec tous les changements. Les changements en sneaky. Du coup, apparemment, pour ce qu'on pas suivi, ce spell là est plus dispo pour un moment. Il était retiré en sneaky et ça aussi. Ça va le shop ou. C'est comment? Il n'est pas sorti sur Sirons au final. Si, il est revenu. Bonsoir Renoid. Est-ce que la strat t'as 23 avec patate et pâtre est toujours jouable? Oui. Après, ils ont retiré des cartes fortes quoi. Notamment. Aisance, ça. Mais bon. On va se faire laver. Il y a un monde où je rush 3. Le problème c'est que rush 3, je vais me faire détruire les failles d'après. Je sais pas trop. Je suis pas sûr que je rush 3 c'est une bonne idée. Je pense rush 3 dans l'état c'est. Grid. Very greedy. Maybe too greedy. Tain, il va vraiment triple épouser là, c'est quoi ces animaux? Ouais. Fais pas ça avant ta quête, frérot, garde en main. Sois pas un animal. Quand tu as une taverne nulle nulle, tu as pas 3 malgré ça, j'ai pas compris. Tu as pas peut-être tu veux dire? Oh, pourquoi il fait ça? Je pense qu'en rush 3 dans la méta est pas ouf. Parce qu'au final ça va retarder ta quête, en plus de te faire casser la gueule. Et il y a certaines quêtes qui sont trop importantes à réaliser vite. Ah, il y a plus la strat broken avec le swap, donc je peux pas jouer ça. En tout cas c'est moins fort. Tu auras nouvel M. J'ai déjà les taunt. Je sais pas si rush mask c'est pas ok. Genre je peux en acheter qu'un plus acheter ça, je vais me faire plus casser la gueule mais on rush la quête quoi. Après il y a des Uran mais ouais je sais pas. Allez. Gardien, préparez vos sorts.
Il a une tempo de zaza, lui. The fuck. Eh bien. Comment ça, peu lent, mais bon. Tu auras un nouvel homme. Ouais. Rejeton de lumière. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je vais faire en sorte qu'il reste sagement où il sort. Le problème, c'est que j'ai rien de bien à booster là. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous. Faut que je chope le Run Shield. Nice. Nice. C'est long, hein. Bon, faut en 1000 x 2, c'est quand même sympa. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ok. Ok. Nice. Peut-être va aider maintenant. Nice one. Tu prends le Yoran à la place, le jazz. Merci Zapili. Fallait un truc à taunter vu que je vais avoir le triple aussi, vas-y, go taunter ça, tant pis. Par contre, faudrait vraiment que je trouve rapidement deux autres taunts, donc je suis pas sûr de up. Mais en même temps, c'est en 3 qu'il y a l'autre taunt ou c'est en 2? J'oublie toujours. Non, je crois qu'il y en a en 3 et en 2. Non, rajoute et en. Peut-être je up pas. J'ai trop besoin de trouver le dernier taunt. Est-ce que faut en build? Eh bien Matador, il manque des mots je crois. Tu veux dire avec Matador? Si c'est ça la question, oui. Si c'est pas ça la question, je sais pas. Autrement, après en 4, il y a beaucoup de serviteurs taunted de base, donc... Enfin non, non, ça bait. Ah, il y a Dynamiteur et ça. Bon après ça fait toujours deux. Il y a les sacs, mais les sacs c'est compliqué à les chercher. Pour vraiment. J'ai pas la thune. Ça si je lui donne taunt c'est fine.
Ok. Il y a d'autres cartes effet de fat tour, là on m'a proposé ça mais c'est un peu trop léger. Par contre ce serait bien d'aller chercher, après il faudra rapidement sac pour aller chercher Drakkari notamment. Pourquoi pas essayer de chercher Shalga après mon, ou un autre formule mais... Enfin de toute façon on pourra full up après. Bon les deux sont pas ouf là, bon fallait bien quelque chose. On va voir si on a le trip sur les lames. J'aurais dû avancer lui, ça aurait été mieux. Nice. T'as snipe son écho, ah j'ai pas fait gaffe. Pas de chance pour lui. Je pense que je triple pour un 6 au prochain tour en vrai. Je me vois bien. Hop. Vente, vente, triple. Comme ça on peut essayer de choper Charlga. Il y a grand gros mais je suis pas trop fan du grand gros. Mais on peut choper Charlga ou deuxième fois en build. Et après chercher Drakkari. Le sort à 3 marche pour les effets de fin de tour, oui. Ça marche, mais... Là, j'ai pas les coups pour le prendre. C'est ok hein, si je rushais pas les tavernes, mais vu que je rushais les tavernes, ça m'intéresse pas, là. Toi aussi, tu vas faire un buzz cut. Quel enfer. Je fais une game avec la quête qui double les spells avec Monsieur Patate, c'est bien fou aussi, ouais ouais. Après là ils ont quand même vachement nerf la strat en retirant deux cartes broken avec. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je le répète, ils ont viré le pouvoir des Jandis là, Aisance, qui revoit dans le shop, et le stimulant. Tu buzz cut là où t'es peur, fais voir tes tempes. T'as vu propre hein. Propre hein. Incroyable. Pour ceux qui l'ont. Incroyable. Oh quel menteur. Oh le menteur. Oh non. Il est dépité, mais de fou. Ding ding. Bon, lui, c'est pas ce qu'il fait là, mais... C'est comme ça. Bon, dans l'idée, ça... Et même ça, ça pourrait bouger. Et Drakkari serait bien. Je pense pas que je upsag rapidement. Les bonnes cartes pour moi à toucher. Je pense que les meilleurs taunts c'est Four Mobile. Genre vraiment la meilleure carte à toucher c'est Four Mobile. Je vois pas mais il est plus bas ouais. Il est où? Il est là. Et après juste des cartes qui sont fortes de base. Chevalier pour être ok. Rechopin est là même, je crois que j'ai pris des stats entre temps. Pourquoi pas. On verra. Drakkari rajoute un proc en plus à quête. Je crois que oui.
Vos effets de Fatour se déclenchent une fois supplémentaire. Et du coup, ça fonctionne. Parce que Drakkari, c'est ça proc deux fois, je crois. Vos effets de Fatour se déclenchent deux fois. Et là, c'est une fois en plus. Du coup, ça fait trois proc. Hello! Waouh, en vrai je freeze pour avoir Drakkari doré au prochain tour hein. Ok, en fait pour faire proc votre triomphe pouvoir avec Vardon, il faut toujours qu'il y ait le nombre de serviteurs sur le board moins E. Donc ça veut dire pour que ça fonctionne, si j'achète E et que je freeze tout, il n'y aura pas l'espace. Une fois que la taverne est actualisée, si je freeze 5 serviteurs, ça ne fonctionne pas. Il faut freeze 4 serviteurs pour augmenter les chances que ça proc. Il faut que je freeze. Donc je vais freeze et je vais acheter ça et acheter un autre grand dame. Limite le sort, ça va bloquer des ripop. Je sais pas comment ça marchera du coup. Y a un monde où je freeze les deux pour avoir plus de chance, mais je perds trop de stats là, je peux pas. Donc là, par exemple, si je freeze et que je n'achète rien, le pouvoir ne proquera pas. Si je laisse que Drakkari en freeze, ça fait quoi? Bah, ça fait qu'il risque d'y avoir des sacs qui vont pop dans le shop et du coup, moins de chance de tripler mon Drakkari. Par contre, je sais pas si en prenant ça va pas bloquer Hero Power, je pense pas. Ça troll, stache patate, je sais pas. Ça actualise pas grâce au sort. Ah oui. Les sorts actualisent de toute façon, je pense. Mais normalement ça bloque pas. Normalement ça va faire deux sorts plus Drakkari. Non, normalement ça m'assure en fait Drakkari doré, si pas de conneries. Normalement ça m'assure Drakkari doré parce qu'il y a deux sorts qui vont pop plus Drakkari du coup. Le pouvoir est prioritaire sur En fait, je sais pas si je pourrais prioriter là-dessus, mais de toute façon, c'est prioritaire sur le reste, donc normalement, c'est bon. Par contre, mon placement est pas fou, mais bon. J'aurais dû faire un placement un peu plus anti-cleave. Bonsoir, Siscom. Je sais pas ce qui est prioritaire, si c'est le pouvoir ou Monsieur Patate. Mais dans tous les cas, j'empêche un autre serviteur d'apparaître, normalement. Et du coup, ça évite, parce que si c'est un autre serviteur 5, ça peut bloquer le trip sur Drakkari. Mais là, c'est pas possible, normalement. Donc les sorts pop avant. Et ensuite Drakkari, le pouvoir proc avant quand nos serviteurs apparaissent. Et du coup Drakkari doré. OP OP. GG. Ok. Seems very good. Grand gros effet de fat tour. Comme ça on booste un peu lui. Et lui en gros se booste aussi. Ouais. Après, ça veut dire que je pourrais jouer avec Shtara plus lui. C'est pas mal. Et je peux aussi lui donner un shield plus tard. Donc, ouais. J'aurais préféré Sharlga, mais bon. On va faire avec ce qu'on a, quoi. Prochain tour, je up, évidemment. Je veux pas la place pour tout bouffer, mais c'est pas grave. Ouais, mais de toute façon, on va pouvoir le pick, ça en soit le bâton si on veut. Pour bouffer un peu plus, ouais, j'avoue. Quitte à avoir un serviteur en moins. Thank you.
Ouais, en plus j'ai des gros EM dans la taverne pour aller avec le grand gros, éventuellement. What the fuck, Olia, je jouais démon avec Sectatrice, le mec en face de moi avait les LM 4-4 qui passe la stat 3-3, comment est-ce possible? Découverte? Non, non, il y a eu patch qui a été déployé aujourd'hui à mini-patch. Je les retweet. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'avez pas checké mon Twitter, c'est de votre faute. Vous devez checker mon Twitter tous les jours, c'est... Autrement, vous allez louper ce genre d'informations. Non, je les retweet, je les reprends en stream là. L'info est tombée. My bad. C'est clairement ta faute. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Il y a deux LM à bouffer, je suis pas sûr que j'ai vol là du coup. On va laisser bouffer ça. Parce que vu que j'ai E2 plus Dracarry doré, du coup plus ça. Enfin je bouffe tout là. Vos effets de fin de tour se déclenchent deux fois. Deux fois, trois fois pardon. Donc ça veut dire qu'on bouffe 6, plus ça on bouffe 8. Bon, il n'y a pas 8 à bouffer mais... On bouffe tout. J'ai pas Twitter, moi tu es YouTuber avant tout. Mais je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant, je quête. Je n'ai pas eu le temps. Mais je le ferai pour demain, peut-être. Certainement. Prendre le taunt à une pièce, c'était pas bien. Bah ça me sert à quoi d'avoir un taunt en plus? J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris Dracarry, hein. Genre ça fait quand même longtemps qu'elle est là, Dracarry, pourtant. Dracarry, c'est à la fin de votre tour, donne 4-4 à 4 serviteurs alliés avec provocation. Si j'en ai 5, il va pas prendre des stats en plus, hein. Enfin ça va splitter les stats, ça va être chiant. Il vaut mieux que je fasse 4 gros serviteurs. Et à la toute fin, genre des Kartek, type Mantide, Shtara, etc. Si je commence à splitter les stats un peu partout, ça va être la merde. Là, on fait 4 gros serviteurs, à la limite, ça on le trip plus tard, et à la toute fin, on vire ça, on rentre Shtara ou Mantide ou on verra. Fort mobile par Akari, oui, fort mobile, my bad, mais compris. Eh bah ben, il en a des monsieur patates lui. Ça va, on te dérange pas? En vrai il a un setup de Zaza hein. J'espère que ses gemmes sont pas trop grosses, j'ai pas le temps de vérifier. Bon on lui a quand même bien cassé la gueule. Mais bon après je dis ça, je suis pas dégueulasse non plus hein, je suis présent. Bon il faut que je chope des boucliers d'Iva sur mon board, triple effort en build, un petit peu de chance s'il vous plaît. Ça monte pas grand chose. Alors ça pourrait être quelque chose pour bouffer un serviteur que j'ai pas envie de garder. Genre lui. On pourrait peut-être le bouffer et taunter autre chose. Ça me paraît pas déconnant. Mais il me faut un taunt si je fais ça. Juste le pick et on verra. Parce que si ça va sur un démon, bah on a un taunt. Si ça va sur un démon, après c'est vraiment big, hein. Les voir Lucky. Même sur Dracarry. Bon, on va tenter Dracarry. Oui, après, est-ce que je suis content de ça? Non, j'ai pas eu de chance, mais tant pis. Les jours avec, les jours sans, les jours sans, il faut faire avec. En soi, j'aurais bien évolué le shop là, parce qu'il y a 4 tavernes 5. Et si je shop, je t'arrache, je l'achète direct. Je peux avoir fond en bill. Vas-y, go. J'aurais moins de serviteurs à bouffer, mais bon. Ça sert pas à grand chose d'avoir un autre gang gros là, parce qu'ils vont. Ils vont se bloquer pour les stats. Après, je pourrais prendre une toxie, ouais. Bouffera de moi, mais c'est pas gênant. Surtout bouffer des LM, il y en a. Bonjour Liège, je te regarde avec ma famille quasiment chaque soir. On apprend beaucoup sur le jeu. Mais on prend aussi tes expressions. Ah, c'est une bonne balle ça.
Mon fils m'a dit ce matin, mes couilles au bord de l'eau. Je vais vous achever avec l'un de mes sorts préférés. D'à quel âge? Ça va être un grand, ça va être un grand garçon. 10 ans. Ils sont très vite matures les enfants entre époques. En vrai, je peux prendre ça pour essayer de choper les boucliers. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Oh! Oh! On laisse fils, comme ça on prend en encore un autre. Incroyable. Magnifique. Splendide! Je vais le bouffer, je vais le bouffer, je peux pas! Pas grave, je vais voir les trois, tranquille. C'est vrai que je peux pas le laisser. Mantid? Il va s'en manger, oui, t'inquiète, je m'en suis rappelé. Mon cerveau a agi. J'ai déjà 4 taunts. Pog. Où tu vas en gros? Non, ça donne trop de stats. Regarde le gros, il est déjà 80-100. Oh là. Ah, plus tard je le vendrai. Plus tard, oui. Merci pour 39 mois, Pichu. Pourquoi est-ce qu'il y a le Uran? T'as 25? Il y a eu un patch. Un hotfix. Ils l'ont ramené. Ok. Je ne me sors pas trop mal, visiblement. On fera le Shtara après pour virer ça éventuellement pour remplacer ça. On pourrait aussi virer ça, mais on aime bien scale là, en soi. J'ai bien fait de les encore prendre un peu les repoeurs, je crois. Ok, deux formes mobiles dorées, Dracari doré, plus masque spectral turquoise. Oh, ouais. Après on retrouve aussi un Charlga, mais bon, je n'ai pas la place. J'ai quand même laissé à Mantid un peu de respect quand même. Je vais laisser un démon allié et l'engloutir un serviteur à taverne afin de gagner ses caractéristiques. On peut aussi le faire proc sur au POP sur un LM là. Petit LM. Y'a pas d'LM, j'ai pas de chance. C'est trop nul, je vais roll. Tant pis, pouvoir useless. Never lucky. Voilà, c'est mieux ça. Alors. Le problème c'est que s'il a un stop pirate APM, bah c'était quand même chaud de gagner là, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Après on gagne beaucoup de stats là, hein, entre temps, avant le début du combat. Tu gagnes combien par tour? Bah je te laisse calculer hein, mais pas assez je crois. Je sais pas. Ouais c'est chaud. Pirate APM messieurs dames, miam miam miam. Oh, joli. It's not enough. 64-64 par taunt, c'est pas mal quand même.
Pour améliorer au power, il me faudrait le Shtarak quand même, je pense. Et des boucliers divins. C'est peut-être pas loose, hein, on scale quand même bien. Lui aussi, hein, forcément, mais... Je suis pas du tout ridicule, là. Si j'arrive à mettre bouclier diva là-dessus, lui donner... jouer avec Shtara... winnable, winnable. Il faut toucher. Ah ouais. Ça, pour tenter le bouclier diva, je pense que c'est pas mal. Après, le problème, c'est que je pourrais pas roll pour bouffer, mais bon... Bouclier diva est trop important, je pense. Pog. Ok. Contre ces deux tours, je vais faire comme ça, je pense. 3. Ok. Je vais faire en sorte qu'il reste sagement où il sort. Prise Mutanus, yep. Je vais peut-être bouffer le grand groptère après, on verra. Je sais pas, après il est quand même cher le Mutanus. Ah. On n'est pas mort, mais on est quand même dans la merde. Merci pour les 53 mois, c'est grand. Merci Jean-Jacques. Merci les gars. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout se passe bien ? Shtara là-dessus serait vraiment incroyable. Faut counter le cleave, c'est pas vraiment possible et c'est pas le cleave le plus gros problème, c'est le pirate 457-928, c'est ça le vrai problème. Mais Shtara est vraiment bien. Spell est bien. Pas de Shtara. Non. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ça va être compliqué. Continuez comme ça. Oh, il est juste trop gros, hein. Pirate APM, si tu touches bien et vite, tu bats juste tout, ça le problème. Donc, quasiment tout. Dommage. Dommage, dommage, j'ai bien aimé. Yo, Sliders. La game était cool, mais il a triché. C'est un tricheur.
T'as la même barbe qu'en 2015, c'est chaud. J'ai rasé quoi là? Les deux forts mobiles Hydracaridoré n'ont pas suffi, plus la quête. Deux forts mobiles dorés, Dracaridoré, plus la quête.